Et yep les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour présenter donc le véhicule de ce tout nouveau DLC. Donc ça se peut que vous les ayez déjà vus. Donc là je sais que le premier véhicule donc à 3 roues. Donc il y a quelques véhicules que je vais couper. Car il y en a qui la customisation était pareille. Donc ça sert à rien, je vous montre 3 fois la même customisation. Donc là on va commencer avec le réservoir d'essence. Enfin j'ai fait un petit peu de... J'ai parlé le temps que je customise un petit peu, comme vous avez pu voir. Donc si vous voyez à gauche, hein, vous pouvez voir la customisation. Vous pouvez voir aussi les prix des véhicules en même temps. Donc par contre ce sera que des images car j'ai oublié de filmer, donc du coup j'ai pu vite faire des images avec mon AR Media. Donc voilà, faut que ce soit minimum en HD et pas avec mon portable. Hein. Donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'on peut changer le bloc moteur, donc comme dans les Lowrider, si vous en souvenez bien. Donc ouais, donc là on va mettre niveau 4, filtre à air, donc là je mets le dernier, donc prise d'air courte à 16 000$. Donc je suis désolé aussi s'il y a un petit décalage donc avec la vidéo, ça se peut car j'ai fait quelques coupures et comme je suis en off, il faut que la vidéo donc je la coupe en même temps que je parle. Enfin, après tout ça, le montage de la voix je la ferai, ne vous inquiétez pas, j'essaierai que ça soit de... en même temps que la vidéo, ce que j'ai que ce soit en même temps que la vidéo. J'essaierai, je ferai de mon mieux. Donc ouais, donc la vidéo risque d'être durée assez longtemps. Donc ouais, donc je sais que sur ma chaîne j'ai pas essayé de faire des vidéos assez longues. Et voilà, pour les DLC c'était assez long, donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Surtout que quand j'ai fait une vidéo pour vous présenter comme quoi j'avais un lobby et que vous pouvez en faire un aussi, donc c'était de 6€ à 8€ pour être milliardaire, donc 8€ pour être milliardaire. Je vous invite à aller la voir. Donc voilà, donc c'est pas très cher. Le lobby ça fait plus de... ça va faire quasiment 2 mois que je l'ai. Donc voilà, donc le mec est vraiment fiable. Donc là, vous pouvez voir que je suis en train de changer la couleur et que j'ai mis comme drapeau, donc enfin comme motif couleur États-Unis, donc le drapeau. Franchement, ce véhicule déjà custom comme ça, il est vraiment stylé, donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, il y a juste, comme vous pouvez voir, le garde-boue devant sur la route devant, on peut voir le pneu qui rentre dedans. Je trouve ça un petit peu dommage, mais voilà, on va dire que c'est mal texturé, quoi. C'est pas très grave. Voilà, donc pour ce véhicule, donc la première customisation est finie. En bas c'est hausse, donc je vais pas faire de coupure entre chaque véhicule hein, parce que sinon ce sera trop chiant. Hop là, donc là on va passer à la moto la plus chère à 1 million. Enfin, si j'arrondis ça fait 1 million quoi. C'est la... par contre j'ai la Shih Tzu Akuchu Drag. Donc là à 1 million, donc elle est vraiment chère hein. Mais elle est bien. Donc par contre avec cette moto... ce qu'il faut surtout pas faire c'est aller dans les montagnes, genre quand par exemple vous êtes au bord de la mer, des fois vous avez des montagnes à monter, bah des fois avec celle-ci vous aurez du mal. Donc mais sinon elle a une super accélération, c'est un truc de fou, elle est vraiment cool, n'empêche. Elle est assez longue comme vous pouvez voir, donc c'est qu'il a encore plus cool, enfin voilà. Hop là, donc là je mets l'échappement, donc échappement double carbone que je vais mettre, hop là. Donc moi vous verrez que pour les améliorations je mets le flat temps tout au max. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça fait extrait, mais en fait, tout ce que j'aime, c'est toujours les tout derniers trucs le plus cher et tout. Donc, ouais. En même temps, vous pouvez voir ce que ça fait quand on achète tout d'un coup. Enfin, tout au maximum. Quoi. Donc, ouais, donc, moi j'ai mis ce motif là. Donc, enfin, je sais pas tout ce que ça, à quoi ça sert ce motif, mais voilà, je le trouve stylé. Donc là, je vais changer la couleur. Donc, vous savez que j'adore le rouge, donc du coup, la plupart de mes motos seront en rouge. Donc, voilà. Donc, là, je vais mettre après en couleur secondaire mat noir. Donc là je vais juste un peu décaler mon micro parce que j'entends que ça fait des bruits. Hop là, donc j'espère que vous m'entendez bien quand même. Donc voilà. Donc en gros je voulais les changer mais du coup je les ai pas changés. Alors qu'en plus c'est gratuit donc c'est cool. Donc, je sais pas si c'est que j'ai un bug ou quoi, mais voilà. Pour moi ils sont gratuits. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ça leur fait aussi, mais voilà, pour ma part c'est gratuit. C'est toujours cool. Allez, on passe à la moto suivante. Donc par contre, je sais plus souvent ça va mettre à côté la Shih Tzu Défileur. Donc voilà, qui est une très belle moto aussi. Hein. Franchement, toutes les motos me plaisent. Je les ai toutes essayées. Donc voilà, frein, élément d'apparence. Donc la châssis est dessous à 1500. Donc elle est vraiment belle. Hein. Vous allez voir qu'avec le motif que je mette après, elle va péter la moto. Donc garde-boue, flèche. Pas de carénage. Donc ouais, j'ai enlevé le carénage. Ensuite siège, donc siège agresseur, retirer garde-boue, donc voilà, je l'ai mis en avant et pas à l'arrière, l'intérêt je ne le vois pas même, on s'en fout. Bref, donc là j'ai mis un réservoir, réglage de moteur niveau 4,
échappement, donc là je vais mettre échappement double. Hop là, donc j'ai vraiment ce que je trouve l'échappement, donc voilà. Après j'ai mis les phares grisement, enfin normal quoi. Et là niveau motif, donc voilà, je suis assez gâté parce qu'en fait il y a beaucoup de rouge. Mais du coup bah mes motos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seront en plupart en rouge. Voilà. Donc là je vais mettre couleur secondaire. Donc je vais la mettre en, je sais pas quelle, en noir, voilà. Donc la principale je la mets en noir aussi. Alors ça fait bien ressortir la couleur rouge et tout. Donc voilà. Donc ensuite, donc là je vais mettre la transmission max, le turbo et les rouges, et pas les changer. Donc ouais, donc c'est tout pour la défilé. Si je me souviens bien, non, c'est ça, je crois. Excusez-moi pour mon accent anglais pourrave. Donc allez, on passe à la prochaine moto. Hop là. Donc qui est la Western Zombie Chopper. Donc avec une très très belle moto de Western, une Harley Davidson. Ouais, ouais, je crois que c'est, ça ressemble un peu à ça. Blindage, donc 100% en frein, pareil. Garde-boue, garde-boue avant losange. Hop là. Donc pour voir que c'était quelle, je crois que c'était la Shih Tzu où tu avais le garde-boue qui est rentré dans la roue. Enfin bref, carter d'huile. 1500, donc c'est ces motos là, donc on a plusieurs, des zombies comme ça. Donc du coup je vous ai pas montré, je crois que je vous en ai montré une ou deux. Genre que celle-ci et une autre peut-être. Et voilà, je n'ai pas montré énormément. Parce que bon, c'est chiant, après c'est répétitif, ça sert à rien de voir la même chose, vous voyez la même chose. Juste peut-être les motifs qui changent un tout petit peu, mais voilà, c'est sans plus. Donc là j'ai mis un carter en chrome, La vieille vitesse j'ai mis celui en crâne. Voilà. Moteur, bah bloc moteur max 1500. Peur que bloc moteur est largement moins cher que sur les lowriders. Hein. Le lowrider je crois que c'était 50 000 ou même 100 000, hein, c'était hyper cher. Enfin voilà. Prise d'air longue en B, par contre ça coûte hyper cher pour juste un petit truc que personne ne voit, parce que tu roules souvent en moto, enfin tu la plupart du temps c'est pas arrêté quoi, en moto tu roules. Donc ouais, donc il n'y a pas trop à ça, mais voilà, je le mets quand même. Donc là je vais mettre des échappements courts. Hop là, ça change un peu. J'étais avec les bobbers enveloppés à 12 000, donc j'ai quand même pris cela. Phare xénon motif, donc là vous avez marqué, je vais prendre un motif assez stylé. Donc voilà, donc là je vais prendre encore, je crois que c'est du rouge, hein, que je vais prendre. Enfin, vous habitez le rouge. Hop là. Donc ou alors ce sera le vert peut-être, je ne sais pas. Je ne sais plus lequel. Voilà, donc c'est le bleu que je prends. Donc là ce que je m'étais dit, comme j'avais mis deux motos déjà en rouge, je vais pas faire trop rouge non plus. Donc là j'ai pris du bleu. Et je vais prendre une couleur assez foncée, donc le noir. Assez foncé là, le noir. Voilà. Bref. Transmission max, turbo pareil, les roues, on change pas. Tac. Donc voici la chopper est finie. On va passer au véhicule le plus intéressant et le plus modifiable de ce DLC. Vous allez voir qu'il est vraiment hallucinant. Donc je pense que vous l'avez tous vu déjà modifié ce véhicule, il coûte vraiment pas cher. Et les modifications sont quand même what the fuck. Vous allez voir ça. Donc blindage au max. Frein au max. Élément d'apparence. Donc là vous allez voir que ça a commencé direct. Roue et barre, je vais mettre donc à 3 900 $. Donc voilà, donc j'ai hésité avec les sièges comme ça qui est assez stylé, mais voilà. Les hauts dossiers côté les vintage, j'ai hésité, mais non. Garde-boue chromé, phare, donc là vous allez voir que les phares, c'est déjà le turfu. Et voilà, c'est un truc de malade, franchement, mettre autant de phares. Ce qui est dommage, c'est que ça marche pas. Donc j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu ça. Mais voilà, après, peut-être qu'un jour ça viendra, ça m'étonnerait, mais voilà. Rétroviseur, alors là vous allez voir que ça va être un max rétro mode à n'en plus finir. C'est un truc de malade, vous avez vu le nombre de rétroviseurs qu'il y a dessus. Donc j'ai testé de frôler les murs avec ça. Les rétroviseurs rentrent dans les murs, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est pas du tout modélisé, mais voilà, je pense que Rockstar ont dû boire un petit peu avant de faire le véhicule. C'est moi qui ai what the fuck. Donc garde-boue chromé à 8 000 $. Antenne double avant, je l'ai mis comme j'en ai mis une double à l'arrière, donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite pare-brise, donc j'ai pris le tout dernier pare-brise, donc celui qui est blanc, hein, neutre, donc voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs sortes de pare-brise, mais perso je préférais le neutre. Après on prend celui qui nous plaît. Hop là, moteur max. Ensuite phare xénon motif, donc là on va mettre un motif ouais, j'ai mis vraiment un motif dégueulasse, c'est fait sur comme le véhicule, moi je l'ai mis en mode dégueulasse, j'ai voulu mettre un motif dégueulasse.
Donc voilà, j'ai pris éclaboussure, oh non, c'est l'autre, je sais, j'ai plus le temps d'allemand, excusez-moi. Voilà, sinon vous avez vu le nom que c'était, hein. J'ai eu le temps de le voir. Hop là, donc en pneu, je ne change pas, j'ai laissé ce que c'était. Et puis voilà, donc ce véhicule est fait, donc voir comment on pouvait le modifier. On va passer à l'autre véhicule. Donc on va passer au scooter. Hop là, donc vous pouvez voir que le scooter, je vais mettre le blindage, le frein. Hop là, le moteur, éclairage, transmission, turbo, et voilà, donc ce qui était dommage pour ce scooter, donc c'était assez vite, donc je trouvais ce qui était assez dommage, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc vous avez pu voir que j'ai fait une petite coupure, hein. Donc je vais vous montrer l'autre qui était à côté, car quand je vous ai dit que c'était la même customisation que la chopper, donc je l'ai mis en vert, hein, vous avez pu voir à peu près à quoi ça ressemblait. Hop là, donc on va passer à celui-ci. Donc celui-ci ressemble aussi à l'autre, mais je trouvais assez stylé. Donc du coup, bah je l'ai laissé. Et je vais montrer sa customisation, parce que c'était vraiment un des véhicules qui me plaît le plus de ce DLC, même s'il est tout à fait banal. Je le trouve vraiment cool. En plus, vous pouvez voir qu'il y a des gros pneus à l'arrière. Donc par contre, j'ai pas pensé à aller dans les pneus et changer et voir si je pourrais en mettre un gros comme ça à l'avant. Donc je regarderai en hors vidéo. Donc voilà. Donc filtre à air Cobra, donc j'ai mis. Donc moteur niveau max, bloc moteur pareil. Hop là, double échappement. Donc gros ouais, chromé quoi, c'est un gros calibre chromé. Phare xénon. Motif, donc les motifs, j'ai pris encore du rocher, je me trompe pas. Donc j'ai mis en mode monteur. Hein. Je trouve que ça fait plus stylé. Hop là. Donc j'ai pris du rouge. Hein. Tout à fait. Non ouais, je crois que c'est du monster. Hein. Le monster, ensuite donc plaque je change pas, peinture je laisse comme ça, transmission max, turbo max et roue je change pas. Donc voilà, donc là on va passer au prochain véhicule qui est vraiment voilà, donc c'est celui-ci. Donc par contre à ces deux là je vais faire donc une coupure. Hop là, donc là j'ai fait une petite coupure comme vous avez pu voir. On va passer alors au quad, voilà, j'avais perdu son nom, le quad street, donc le tout nouveau quad qui est vraiment pour moi le meilleur véhicule de ce jeu pour ma part, parce que les virages vous pouvez les prendre au max, c'est un truc de malade, comme il glisse pas et vous vous retournez pas. Oh, franchement c'est vraiment le plus magnifique des véhicules, enfin je suis amoureux de ce véhicule personnellement, c'est lui que j'utilise la plupart du temps maintenant. Donc là j'ai retiré le deux ray, le cadre, donc le cadre aérodynamique à 1350 €, donc garde-boue de course carbone, donc à 1950. Donc je trouve qu'il est vraiment stylé. Ensuite garde-boue elle trouée en carbone, donc voilà. Ensuite on va passer au moteur, ventilation carbone, ok, et programme, donc ouais, le moteur, échappement double carbone, donc il est vraiment beau à 9750 $. Hop là. Ensuite donc l'action je change pas, phare au xénon. Ensuite bas de caisse, donc là j'ai mis marchepied pour un marchepied course carbone, donc voilà, aileron, donc là j'ai mis un aileron compétition couleur 2. Donc il y en a qui, j'ai vu qu'il l'avait pas mis parce qu'il trouvait pas ça très beau, et moi je le trouve trop stylé, ça change un peu justement des autres. Donc là j'avais été voir un petit peu pour les pneus, donc j'avais hésité à en mettre, mais du coup j'ai dit non à la fin. Donc c'est tout pour le quad, on va passer au prochain véhicule. Hop là, donc je vous ai montré un petit peu la vue à première personne aussi en même temps, hein, comme vous avez pu voir. Donc on va passer à la motocross, donc la toute nouvelle motocross de ce jeu. Donc c'est la Meibatsu Manchez. Allez, donc ça change un petit peu des motocross, surtout qu'elle est vraiment stylée. Alors, blindage max, frein maximum aussi, élément d'apparence, cadre 1350 $, garde-boue casse-cou à 11 700. Siège de course, garde-boue arrière, garde-boue sport, réservoir d'essence, réservoir de course à 1100 $. Hop là, donc moteur, donc 33 500 $, donc c'est cher, hein, mais bon, c'est toujours ça. Échappement pot double, klaxon, j'en en rajoute pas, éclairage, phare au xénon, motif, donc voilà. Je sais pas si je mets des motifs, ouais, j'ai mis un motif, donc c'est avec la bande blanche ou noire, je ne sais plus, ouais, c'est. Voilà, motif noir, donc où il y a des bandes blanches aussi avec. donc là, j'ai juste changé la couleur principale. Je crois que je change la couleur principale si je ne me trompe pas.
Donc comme je dis, comme je suis en off, je sais plus trop ce que j'ai mis. Donc voilà. Donc j'hésitais avec le Bleu Racing, mais je l'ai pas mis. Du coup, du coup, voilà, j'ai laissé comme c'était. J'ai laissé orange avec le rouge. Voilà, je me suis pas trop pris la tête pour la couleur. Pire des cas, ça change par la suite. Donc ouais, donc c'est tout pour la motocross, la Manchese. On va passer à l'autre véhicule. Hop là, donc c'est la moto de Franklin, donc qui faisait partie du nouveau véhicule, donc la Western Bagger. Donc au début, quand j'ai vu ça, je crois que c'était genre la moto de Franklin, mais genre il a mis au début quoi, enfin je sais pas. Et en fait non, c'est on peut la modifier. Donc vous savez pas, par contre je crois pas qu'elle ait une modification que ça, donc voilà. Mais bon, j'ai quand même voulu montrer tous les véhicules, enfin du moins. Même s'il y en avait qui se ressemblaient, j'ai préféré vous en montrer que un, qui aura trois fois la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc là vous avez pu voir que je suis sorti survenu. Bref, blindage, frein, moteur max, échappement double, échappement long, carénage, pas de carénage justement. cadre custom, réservoir 2. Ensuite, mais pas de klaxon, éclairage, phare au gazon, excusez-moi. Hop là, plaque, peinture. Donc là, la peinture, je ne l'ai pas changée. Pourquoi j'ai laissé en rouge? Ah non, je me disais bien aussi que j'allais la changer. Voilà, donc vous allez voir la couleur que je vais mettre. Voilà, donc j'ai mis en rouge foncé parce que je voulais faire un petit peu le style militaire. Parce que vous allez voir que dans la prochaine vidéo que je vais faire, donc on aura des masques, dans des casques militaires. Donc voilà, donc ça va bien avec ce style. On verra ça dans la prochaine vidéo de ce DLC. Hop là, donc là on va passer au prochain véhicule, donc qui est rouillé. Et donc dans pas longtemps il m'en aura mis à qui a buggy, donc du coup je vous aurais fait une petite coupure, donc vous inquiétez pas, c'est une coupure en plein milieu. Donc voilà, donc là on va faire le blindage au max, frein de course, voilà. Élément d'apparence, donc là le dos serait vintage. Ensuite, garde-boue avant, losange, siège à rougeur vintage, carter d'huile rond chromé. Donc là, ça avec, vous vous inquiétez pas. Hop là, donc voilà. Donc là, vous avez pu voir qu'il y a eu le petit bug, comme je vous ai dit. Donc voilà, donc là, je vous remets où on était. Donc là, on était au réservoir losange, protection. Donc voilà, donc là, je vous l'ai montré assez vite. Parce qu'en fait, je crois que j'avais pas vu que ça avait bugué, donc du coup, je vous la montre assez vite. Donc je m'étais arrêté à turbo, donc voilà. Donc tuning turbo, hop là. Et comme je disais dans la vidéo mais qu'on n'a pas entendu, on peut voir que tout ce qu'on améliore, ça va aussi avec le rouillé. Donc c'est à dire que ça pourrait être chromé, ça va devenir directement rouillé. Donc là c'était pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.